feu rouge là. Salut tout le monde, c'est Toto de la PS1 pour Hammer série 8. Je suis encore accompagné des mêmes personnes que dans la série 7 que je ne renommerai pas. Pourquoi? Ouais. À ton avis? Pas envie. La flemme. Donc aujourd'hui on va tester qui veut gagner million. C'est la manette, s'il te plaît. Merci. Ouais. Là, c'est, par contre, c'est tout le monde. Tout le monde participe, voilà, tout le monde donne son opinion sur exactement. Le jeu. C'est toujours le même qui joue, mais tout le monde participe. Ouais, ouais. On peut jouer jusqu'à 4, mais ça sert à rien si on n'a pas le non, même qui joue. Justement, comme ça montre le jeu. C'est extrêmement difficile, donc là, comme on est 4, on va réfléchir un peu tout en même temps, même si bon. Niveau cerveau, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Si on cumule nos cerveaux, on a à peu près un cerveau et demi. 10. 0,1, oui. Parce que franchement, le plus intelligent parmi nous, c'est... Bonsoir et bienvenue, c'est Jean-Pierre Foucault. On a Jean-Pierre Foucault qui commande. On a Jean-Pierre Foucault qui commande. Mais en fin de compte, on n'est pas 4, on est 5. Bah oui, on a Jean-Pierre Foucault, mais il n'a pas le droit de nous donner ses avis. On a le droit de jouer jusqu'à 4, mais ça sert à rien, on va jouer tout seul. Vous voulez jouer seul? On s'appelle comment? Comment vous appelez-vous? Bah tu... Booker. Y'a que toi qui veux. Tu mets, je sais pas moi... Team voilà. PS1. Voilà, par exemple. Y'a assez de place pour écrire les 4 noms? Non, y'a pas, c'est sûr. Bon, les grouilles. Grouilles. Bah tu tapes n'importe, c'est pas grave. Principal, c'est de jouer. Là, on dit comme ça. J'espère qu'il va pas dire notre nom parce que. Il peut pas répéter la même team. Voilà. C'est comme si on était plein d'insultes. Il ne répétera pas. Parce qu'il est poli, Jean-Pierre. Ah bon? Je vous souhaite bonne chance. Voici tout. Bon, allez, on y va. On a 15 questions à remplir. Mais bon, à mon avis, on va pas dépasser la première. C'est si, la première, si. Bon, ça dépend. Bon, les questions sont aléatoires. La première, elle est donnée en original. Écoute bien. D'accord. Si, c'est Ronald. Ah ça, bon. De toute façon, c'est la démo, ça je crois. C'était une formalité qui vous rapporte 1000 francs. Ronald Reagan. Cool. Ouais, on a 1000 francs. Mais attention, parce que là, c'était en France, c'était pas en euros. Ouais, bon, donc les points, ils ne compteront pas. Écoute bien la question. Quand on subit une opération chirurgicale. Sur le billard. Ouais, bon, je vous fais confiance. Vous pensez que oui. La réponse est B. Je vous fais confiance. Et c'est la bonne réponse, vous gagnez 2000 francs. Il a mis 2 heures à dire ça, à dire le truc. C'est pas très rapide. Non. Il est comme nous, il réfléchit pas très très vite. Mais nous, on réfléchit pas de nos hasards, nous. Casse-cou. Casse-pied. Non, une imprudence, non, c'est casse-cou. Vous pensez que la bonne réponse est C. Oui. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bonne réponse, bien sûr. 3000. Ça me fait penser à quelqu'un, mais je n'ai pas le droit de citer son nom. Et vous deux non plus. Et toi non plus. Mais c'est surtout pour nous trois. 5000 francs, question. Quelle plante tire son nom d'un mot signifie? Tourne vers le soleil. Bah, tourne sur le sol. Ouais. La racine. C'est que la mène. Vous pensez que la bonne réponse est C. On utilise un joker ou on dit c'est votre dernier mot? Attends. Quelle plante tire son nom d'un mot signifiant qui se tourne vers le soleil? Moi je dirais tournesol. Le tournesol, ça fait penser à soleil parce que c'est jaune sur les bords. Si, c'est ça. Ok, je veux bien. Il s'agit de la bonne réponse, vous gagnez. Oui. Un premier palier. Je crois. Non, c'est... Non. Encore une, je crois. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos 3 jokers. Le 50-50. Non, c'est pas le premier palier, sinon il se passerait quelque chose. Premier palier, 10 000 francs. 10 000 francs. Avec la prochaine question. Oh purée. Oulala. Ouais, d'accord. Déjà, c'est une communion unique. Hein. Communion. Ouais. Je dirais communion. En général, elle est très sadique cette question-là, parce que la question juste avant le premier palier, elle est souvent très sadique, on perd souvent celle-là. Bon, allez, on s'en fiche. Vous semblez assez sûr de vous. Et vous avez raison, vous venez de gagner 10 000 francs. Et ben voilà! C'est pas plus compliqué! On va être riche. Sauf que non seulement les francs ça compte plus aujourd'hui, maintenant c'est l'euro. D'un. Et c'est de l'arnaque ton jeu. Et de deux, ça produit pas d'argent.
Et je te dis que c'est un jeu PS1 qui date des années. Qui date des années fin 90, début 2000. Ouais. J'ai pas vérifié, mais bon. Et ce, quoi qu'il arrive. Donc on a trois jokers. Sixième question pour. Nos trois jokers. Moi, Crush et Bougaïurk. La question va partir. Attention, c'est serré. Y'a personne, bah si. Laquelle de ces propositions ? La cornette. Comment tu sais ? Je sais pas. C'est bon, bah moi j'utilise un joker, je vois pas. Le coup de non, attendez, je sais. Le diadème. Non, le. Non, le diadème c'est un. Non. Moi je dirais la cornette. Je dirais la cornette aussi. On utilise la. J'ai une raison sans faire la cornette, la cornette. Je dirais ça. Attends, je suis pas fuyant, mais. Big Goodies, t'avais trop pensé à Big Goodies, ça peut pas être ça. On utilise. On devient 50-50. Non, moi je préférerais plutôt l'appel du public en général. Moi j'aurais mis 50-50 quand même. Bon bah d'accord, 50-50. Mais il est très utile en général. Oui, mais de toute façon. Ouais, on est foutu sinon. Ça fait le fil rapide quand même. Le temps passe. Le temps passe. Voilà. S'agit-il de la réponse? Ouais, bah c'est la cornette. Moi je pense. Allez, hein. Je suis pas sûr. Hein. De toute façon, c'est pas grave. Ça se voit, si on perd, c'est pas grave. On aurait été loin. Mais moi je dirais la cornette aussi. Et maintenant, vous doublez vos gains, vous m'emportez. Ouh! On a eu chaud! J'ai eu raison sans faire exprès. C'est incroyable. Ah, normalement, c'est pas celle qui me semblait la plus logique des quatre. Non, moi j'ai vraiment rien eu. Je voulais utiliser le coup de fil d'un ami pour qu'on soit 5. Non, c'est pour ça que je voulais 50-50. On n'aurait jamais dû utiliser le coup de joker, alors on était pas sûr. Comme ça, quand t'es pas sûr, justement, c'est le but du jeu. On va gagner. Alors, non, attends. Dans quelle ville la Bastille Notre-Dame Fourvière se trouve-t-elle à je peux pas dire. Là, je connais. Un Fourvière Lyon, oh, oh, oh. Ah non, c'est pas la proposition. Ouais, mais attends. Prenez votre temps, il vous reste encore deux. Un joker dans Bordeaux, je pense que c'est Toulouse. Bah, on essaye. On utilise. Ouais, allez, vas-y. De toute façon, les jokers, vous me les gardez pour après. Hein. Oui, mais si on perd. Eh bah, sinon. On aura gaspillé deux jokers. Et bah, compte. Utilise quand même l'appel à un ami. Ok. Vous avez choisi de passer un coup de fil à un ami. Mais des fois, c'est trompeur là. De toute façon, c'est quelqu'un qui. Ouais, ça c'est. Tout, ils sont tous ouais. Pas sûrs. Même le truc du public. C'est bon. Ouais, tu te crois, Mircelle ? Oui, je vois pas. Karine, bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucaude qui veut gagner des millions ? Oui. Bonsoir, Jean-Pierre. Nous jouons pour 40 000 francs et votre ami a besoin de vous pour trouver la bonne réponse à cette question. Eh bien, allons-y, Jean-Pierre. Karine, c'est à vous maintenant. Connaissez-vous la bonne réponse ? Aïe. Non. Aïe. Wesh. C'est pas bon, c'est... Je connais pas la réponse, désolé. Ah non. En fait, j'habite dans la brousse, donc je vais jamais venir mal ça. Bon, allez, on va dire au hasard. Allez, Toulouse. Voilà, allez hop. Pas de regret. Oh non, si c'est perdu, c'est perdu, tant pis. Ouais, bon. Là après. De toute façon, à mon avis, il reste pas beaucoup de temps, je pense. On a perdu. Ah, c'était lui. T'as vu. C'est la bonne réponse. Je savais. On retente ou pas? On a encore du temps. Beaucoup de temps. On a quand même 10 000 francs. Il reste combien de temps? On a à peu près 5 minutes, on a le temps de faire un petit peu. Huguette. Après, un coup, t'es parti, après, c'est ça. C'est un jeu. Allez. On commence avec le même nom de team. Très bien. Voilà. Alors, ce sera vous, moi et l'ordinateur. Voulez-vous saisir votre nom, s'il vous plaît? Alors, sans plus attendre, voici. Qui veut gagner? On a gagné 10 000 francs, mais première chose, comme j'avais dit tout à l'heure, les francs ne comptent plus aujourd'hui. D'un. Et de deux, ma PlayStation ne donne pas d'argent. C'est une arnaque ce jeu, comme tu l'as dit, Miguel. Vous avez payé combien pour l'avoir? Ouais, mais c'est qu'un jeu. On a payé 15 millions de francs qu'il nous fallait pour répondre. Comme ça, pour la question. Si tu vas au vrai. Ouais, mais bon. Non, attends. Voilà. Bah, le grand 8. Le grand 22. Pourquoi 22? J'aime bien ce nom. Bon, on est à peu près 5 minutes. Bah, 1000 francs. Un petit peu moins de 5 minutes. Deuxième question pour 2000 francs. Bon, allez, je me donne jusqu'à 13 minutes. Dans un château. Bah, c'est le pont-levis. Bah oui. C'est le pont-levis. Bravo. Le pont-levis Presley. Pont d'or. Et voici la question. À 3000 francs.
piqûres. Je dirais pas ça, non, je pense que c'est un piège. Je sais pas. Le plaisir. Non. Prenez votre temps, je... C'est un joker, hein, je vois vraiment pas là. Je dirais l'argent, je sais pas pourquoi. Appelle quelqu'un. Fou, on va être, moi je dirais le travail, moi. Mais bon, il y en a un, je sais plus lequel de vous deux a dit le plaisir. Je crois que c'est joker. Bon, bah, non, moi je dis les piqûres. Ah oui, en plus. Oui, alors oui, crash. Ouais, bah je passe au bout de fil à un ami. En espérant que cette fois, ce soit un bon ami. J'aurais dit l'argent, moi. Si c'est Corinne, on est mal. À suivre son avis. Ouais. Oui, allô. Ah, c'est pas bien. Allô, Carole, c'est Jean-Pierre Foucault. Ah, c'est quand même la garce, c'est, mais c'est pas Corinne. Bonsoir. Votre ami. Elle est endormie, je pense, c'est une bonsoir. Vous m'avez réveillé. Aucun problème, je vous écoute. Je sais pas qu'elle peut trop endormie, que cette fois ça va être une réponse. Et les quatre réponses. Bon, deux minutes. Laquelle est la bonne, Carole? Un épicurien, oh là là, il me semble que c'est quelqu'un qui ne vit que pour le plaisir. Ah, j'ai raison. C'est pas sûr, c'est pas sûr, on a déjà perdu avec ça. Demande à Galactus. Carole pense que vous... Choisissez celle que vous voulez. Mais moi, vas-y. Ouais, bah, vas-y, moi j'aurais dit l'argent, comme ça, pour... Moi j'aurais dit piqûre, parce que dans l'épicurien, il y a piqûre. Non. Et il y a épi aussi, lui, c'est le Bien joué. C'est trop fort, crush. Bon, je crois que ça va être ta dernière question, je pense. Non, on a encore 1 minute 30. Ouais, bah, on a peut-être le temps, si on se dépêche, on a le temps. Oh mon dieu! Ah, Kédé Bruyne! Bah, t'as de beaux yeux, tu sais! Bah voilà! Vous savez, tu serais connu? Ouais. T'as de gros yeux, tu sais! Il s'agit de la bonne réponse, si vous gagnez. C'est Finger in the nose! Ah! Ouais, bah je nous donne 30 secondes, allez! 30 secondes, on tente une question! Et c'est fini! Vous savez qu'il doit être encore deux jokers! De 55 ans. Allez, Jean-Pierre. Allez, les feux de Jean-Pierre, c'est l'air. Premier palier, puisque cette question. Rouge IPF. 10 000 francs. Lequel de ces animaux n'est pas un mammifère? Le thon. Oui, le thon, oui. Les phoques? Non. Non, mais d'un mammifère. Il fait. Un mammifère, c'est logique. J'utilise le mot du public. La baleine. Bon, allez. La baleine, t'as un mammifère, elle a un trou sur le dos. Maintenant, de répondre à cette question. Y'a pas de public. Dauphin, pareil. Ah, mais ouais, y'a personne qui veut nous voir. Ah, oui, d'accord. quand même. 99% pour la réponse A. Du public. C'était quoi? C'était le thon. Le thon. J'avais raison. Je dirais aussi le thon, oui. Mais mon tonton, c'est un mammifère. Faut pas pousser le thon un peu trop haut. Hein. Je vous rappelle. Que dès que nous avons. Crie pas, pousse pas le thon un peu trop haut. Échec blague total. Vous êtes sûr de votre choix? Oui, on est sûr, mais c'est pas pêche sur la grouille, on est sûr. C'est nos derniers mots, Jean-Pierre. Allez. Et vous avez raison, vous venez de gagner. Oui. Et sur cette bonne réponse et sur ces 10 000 francs, je vous dis la suite au prochain numéro.